Un artiste un jour, bonjour, nous sommes au Festival d'Avignon et nous avons la chance pour cette première d'être au cœur de la cour d'honneur du Palais des Papes avec Denis Podalydès, sociétaire de la Comédie Française. Bonjour Denis. Bonjour. Vous jouez dans la pièce Architecture de Pascal Rambert. Vous pouvez un peu nous expliquer de quoi parle cette pièce? C'est une pièce qui raconte l'histoire d'une famille à la fin de l'Empire austro-hongrois en 1911. Ça commence en 1911. Un grand architecte reçoit des décorations dans toutes les villes d'Europe où il a fait construit des monuments. Et à l'occasion de ce voyage, avec ses enfants, ainsi que les époux et épouses de ses enfants, ses enfants règlent leur compte avec lui, parce que ça a été un père à la fois extrêmement brillant, mais très tyrannique, et qui a suscité chez ses enfants diverses névroses. Alors, distribution magnifique, vous êtes 10 comédiens sur scène, il y a Jacques Weber, Emmanuel Béart, Anne Brochet et vous, bien sûr. Je vous propose tout de suite de regarder quelques images. Notre mère s'asseyait là. Ici? Oui, ici, où tu es. J'occupe la place de la morte, c'est ça l'idée? C'est ça que, puisqu'on est dans les eaux territoriales grecques, allons-y, les Erinies me reprochent, c'est ça? Tu me permets de la gifler? La morte, tu veux parler de ma mère? Tu veux une gifle, c'est ça? Tu vois mes ongles? Tu vois tes yeux? Ça suffit! Ah, pas la serviette! Si, la serviette! Sans doute la violence qui m'a coupée en deux. Avant j'étais une, maintenant je suis coupée en deux. Par le milieu, avec des sortes de scies très longues et des hommes arc-boutés sur moi. Denis, ce n'est pas la première fois que vous travaillez avec Pascal Rambert, l'auteur et metteur en scène d'architecture. Qu'est-ce qui vous intéresse particulièrement dans son travail? Alors d'abord, c'est lui, sa personne. C'est quelqu'un d'extrêmement solaire, généreux, aimant et qui s'attache à ses acteurs d'une manière passionnelle et qui leur donne une matière poétique que je trouve extraordinaire. J'ai toujours une grande reconnaissance envers lui parce qu'il m'a fait comme ça des rôles qui étaient de véritables très, très beaux cadeaux. Merci beaucoup Denis Podalydès. Donc Architecture, attention, c'est jusqu'au 13 juillet dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Bravo et beaucoup de succès à vous et à toute votre équipe. Bah, j'espère. Et puis pour toute l'année prochaine, c'est le début, ça commence dans la cour, mais ça va continuer sur toute la saison dans différents théâtres en France. Merci, on se retrouve demain pour un nouveau Un artiste un jour. Et d'ici là, bon spectacle.